Eh bien, salut tout le monde, et surtout bien sûr à ceux qui reviendront en rediff, car pour le moment, bien entendu, encore personne de co, je viens à peine de lancer le Twitch. Et ça va être reparti pour un tout petit peu d'exploration, avec une course de films qui ratissent et beaucoup de campagnes. Voilà, voilà. Chercher la sortie. Allez, c'est petit. Niveau armement. Ouais, c'est pas mal. Ouf.
bout de cette course et tu seras une star mondiale. Je veux de la vitesse, de la fluidité. Alors ralentis pas, sinon faudra qu'on fasse une prise. Ouais, ta gueule. Mais au moins c'est fait. Allez hop. Super, c'était en excellent, je suis censé passer en acceptable. Putain. Mais putain de co de merde quoi. Oh, ça tourne bien mec. En excellent. Et puis comme ça, d'un coup, ça décide de passer en acceptable. De devenir nazi. Tu fais plus que d'habitude, enfin, c'est n'importe quoi. Ça, c'est un truc qui me broute le cul. J'étais content, je suis content de savoir tout de suite tout ça. Ben, pas de fin, mec. Bon, allez, allons voir Willis. Envie de repasser en excellent. Je pense que ça va pas être la peine, ça va rester en acceptable. N'importe quoi. Bon. Thank you.
Putain, arrête. Il est où le léopard? Bon, il y en a qui se sont fait tuer avant, tant pis. Bon, range-moi ça. Ah. Et failli. Ça me va, le temps que je récupère. On va faire tranquillement le plan. Ah, 20. Putain, saloperie d'araignée qui m'a tout bouffé quoi. On fout le bordel. Vous êtes qui? Tu sauras jamais si tu m'aides pas à me poser à l'aéroport. Et pourquoi est-ce que je ferais ça? T'es ici pour être un gentil et buter des méchants, pas pour poser des questions. Plus vite tu m'aideras, plus vite tu pourras retourner jouer les Che Guevara des bacs à sable. Et puis, j'ai des infos pour toi. Allô? Vous êtes toujours là? Ah, super. Incendie a pété jusqu'à la plante. Ouais, c'est cool. Alors, l'aéroport est là.
Ils me font passer par là, carrément. Un rhino, mais il s'est barré. Beaucoup de monde. Il a été apeuré. Apeuré au moment. Ah merde, j'aurais dû faire monter le cap pour. Ah bon, c'est pas grave. Faire cette mission et puis après dire la recherche du tanker. Je suis à l'aéroport. Bon, j'ai fait un survol plus tôt et j'ai repéré des snipers. Descends-les. Ah ouais, vous pouvez pas le dire avant que j'approche et puis que tout le monde meurt, père. Putain quoi, le mec il te le dit une fois que t'es en plein devant et que t'as alerté tout le monde. Ah, en fait, y'a des snipers et en plus. Ah oui, faut pas alerter. Ah, putain. Je te le dis en gros 3 heures après quoi, n'importe quoi. Je suis à l'aéroport. Bon, j'ai fait un survol plus tôt et j'ai repéré des snipers. Descends-les. Et n'oublie pas qu'on a un ennemi commun. Sans les hommes de Pagan, ce sera plus simple de sécuriser l'aéroport pour tes copains du Sentier d'Or. Ok. Encore un truc. Faudra que tu fasses profil bas, comme un républicain secret à San Francisco. Pas d'alarme. Tu te fais pas repérer, point. J'ai rendez-vous avec le commandant de l'aérodrome et je veux pas qu'il sache que j'ai un atout dans la manche. Non mais ce jeu de merde quoi, on peut pas te le dire avant. Putain. Bah ouais, bah je sais pas, au pire. On te fait pas arriver par le chemin principal, non. Toi t'es là, personne d'autre. Si je peux le buter sans que personne ne le repère, celui-là, ça va être nickel. Laser.
Oh putain. Tiens, tu tiens quoi? Puis toi surtout comment tu peux le savoir, le mec qui a pas donné d'instructions, que dalle, sur ce qui venait de se passer. Comme si qu'on allait te répondre, mec. Dans ton cul. Genre, ça peut passer. Voilà. Non, mais où? J'étais sûr d'être sur son épaule et de voir le one shot. Hop, on tourne ça. Oh putain, on peut le faire en mode gros bourrin avec un... avec un mortier, sans sérieux. Pas comme ça que tu fais ça discrètement. Ah, fallait pas tuer le commandant. Oups. Ah, faut pas l'alerter, mais faut pas le tuer. C'est quoi cette arnaque? Je suis à l'aéroport. Bon, j'ai fait un survol plus tôt et j'ai repéré des snipers. Descends-les. Et n'oublie pas qu'on a un ennemi commun. Sans les hommes de Pagan, ce sera plus simple de sécuriser l'aéroport pour tes copains du Sentier d'Or. Ok. Encore un truc. Faudra que tu fasses profil bas, comme un républicain qui crête à San Francisco. Pas d'alarme, tu te fais pas repérer, point. J'ai rendez-vous avec le commandant de l'aérodrome et je veux pas qu'il sache que j'ai un atout dans la manche. Ah oui, merde, j'ai rendez-vous avec le commandant. Ok. Oh, fais gaffe quand tu t'avais dit ça aussi. Ah, c'est un peu de ma faute. Normalement, c'est censé y avoir un snipe ici. Ah là là. Ah.
C'est bon. Vous pouvez atterrir. J'ai tué les snipers. Bien joué! Je suis en approche finale. Rejoins la tour de contrôle et appelle-moi une fois là-bas. Allez, putain de qualité de mes couilles, tu veux pas venir acceptable. Plutôt excellent, acceptable c'est déjà. Et bah non. Rendez-vous à la tour de contrôle. Ouais, on va pouvoir passer par là. J'ai bien fait de reprendre mon snipe en fait. Je suis en position. Reste là et couvre-moi. Je dois assister à une petite réunion avant qu'on puisse parler. Si jamais ça tourne mal, je t'envoie un signal. Quel genre de signal? Si je dis Ronald Reagan, t'ouvres le feu et t'arrêtes que quand tous les méchants sont morts. Ronald Reagan? Très bien. Ronald Reagan. Le mec. Je vais garder cette fréquence ouverte, mais fais pas trop de bruit. J'ai vraiment pas besoin de distraction. Ce mec est du genre un peu nerveux, compris? Compris. Bien, c'est parti. Attends, mais seulement il y en a par là, des méchants. Je peux pas les changer. J'ai le matos avec moi, exactement. C'est une espèce comme de barrette là. Changement de programme. De quoi tu parles? J'ai dit changement de programme. Yuma veut que je vous ramène. Non mais tu déconnes. Je peux pas faire ça, on avait un marché. Vous et votre avion, vous allez nulle part. Je vous emmène voir Yuma. On doit bien pouvoir s'arranger, non? Y'a rien à arranger du tout, mon pote. Chez moi, un marché, c'est un marché. On le change pas comme ça, c'est anti-américain. Tu commences à me faire chier. Tu connais un peu Ronald Reagan? C'était un président franchement cool, et les finances américaines lui doivent beaucoup. Yuma veut que je vous ramène, mais elle a pas... Je me fais canard, t'es méchant, arrive par le nord, bouge-toi. Ça c'est fait. Genre lui, il a pas pris non plus. Je suis pas increvable! Donne-moi un coup de main! Contact au sud! Descends-les! Morastown. Au sud. Alors le sud pour eux c'est. Ouais, d'accord. Je vois pas de là. Hop. Allez, descend de là. Tu roupilles! Tire de couverture, ça veut dire couvre-moi! Eh hey, désolé, on n'est pas en train de jouer à Call of, hein. Les flash cops, ça se fait pas. Ça passe pas à travers. Ta gueule, j'arrive. Oh putain, mais il est sérieux ce perso, mais... Pff, n'importe quel connard pourrait sauter ça, quoi. Même un gamin de 10 ans. On m'a appris à couvrir mes équipiers dans des jeux avec une meilleure maniabilité de merde. Il y a des méchants tâches en trop par ici, je vais foncer droit vers l'entrepôt. Couvre-moi. Ah,
franchement, la fluidité de ce jeu m'écouille, quoi. Il y a tout un groupe de mecs qui descendent la montagne. Il n'aura rien, ça. Ouais, essayer de faire avec. Deux. Raté. Ah, ça c'est mieux. Qu'est-ce qu'il fout là-haut, le sniper? Allez, tu cliques 15 fois sur le bouton, mais tu fais pas d'attaque de corps à corps. Oh, ce jeu, c'est vraiment de la merde. Oh, les Call of, c'est devenu pourri, mais c'est toujours aussi beaucoup mieux que ce putain de jeu, quoi. Bien, et toi, mon petit Speedy? Montez. Je suis prêt, mon poussin. Je crois que quelqu'un a fini par repérer notre petite sauterie. Ça tombe un peu trop dru à mon goût, parité. Je vais me mettre à couvert. Rends-toi utile, tu veux? Débarrasse-toi de ces mecs au mortier et tous ceux qui viendraient venger leurs petits camarades. T'as compris? C'est parfait. Putain, le tien de mortier. Attends, le mortier. Sont sérieux. Ça la joue à la Battlefield, faut tirer un peu en avance avec les flingues. On va voir. On peut pas passer à l'intérieur. Oui. Ah non, mais il s'en est pris une là, au moins dans le cul. Le mec, il est même pas mort. N'importe quoi. Et merde. J'avais oublié aussi cette histoire de on peut pas tirer à travers les putains de grillages. Je vais trouver le journal à papa. Ça fait 25 ans et je sais toujours pas si cette odeur vient d'une mauvaise hygiène ou de l'absence totale d'espoir. Moi, je sens rien du tout. Ça sert plus à rien que je joue la comédie. Mais alors, vous êtes qui? Regarde-toi. T'as une gueule de touriste et une âme de killer. On dirait un putain de loup en costume de berger. Beaucoup mieux que le connard que je me trimballais dans ma dernière mission. Mais, comme toi, c'était un patriote, le genre de type qui met la main sur le cœur dès qu'il entend l'hymne au match du 4 juillet. Gueule de touriste? Je bosse pour Langley, agent Willis Huntley. Langley? Pour la CIA? Tout ce que tu dois savoir sur le meurtrier de ton père est dans ce dossier. Quel dossier? Dossier dans l'avion qui va décoller. Oh, merde! Hé hey, t'auras besoin de ça. Oh, c'est pas grave, j'ai une wingsuit avec déjà un parachute. Non mais ils sont sérieux là? Ah d'accord. Ouais, je sens que ça va être foiré tout ça. Allez, c'est parti.
Genre, je me suis fait toucher par l'hélice ou je sais pas quoi. Oh, la grenade, badass le mec. Si toi tu voudrais le faire, je suis sûr que ça passerait pas. Ah, ça va pas compter. Merde. Allez. J'ai pas vu de bouton pour me dire de déployer le putain de parachute alors bon. Un peu trop. Hop, si j'y vais, c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis mort, mais que je déclenche la scène. Enfin, pff, oh là là. C'est parti. Même l'hélice pourrait pas m'avoir touché parce qu'elle est devant l'hélice. Ah là il me propose la wingsuit, c'est cool. Et le parachute. Nickel. C'est quoi ça? Edge, j'en déduis que t'as le dossier. Ouais, et c'est illisible votre merde. C'est censuré. Tu veux en savoir plus? Ferme ta gueule et donne-moi un coup de main. Et je ferai apparaître quelques noms. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis venu faire tomber Pagan Min et Yuma. Ce que les gens du coin n'arrivent pas à faire. Je croyais que vous étiez les meilleurs en matière de guérilla. Que vous étiez? Le Sentier d'Or a pas choisi la bonne méthode. Je suis là pour leur montrer comment on fait. Phase 1, on leur donne l'aéroport. Phase 2, on s'offre les services d'un certain AJ Gale. C'est toi. Reviens me voir ici quand tu seras prêt. Oh, et parle pas de notre arrangement au Sentier d'Or. Ils ont pas besoin de tout savoir. Maintenant... Tu m'excuseras, mais je dois faire pleurer Caroline. M'en veux pas. Putain de merde, c'est juste un méga trou dans le sol. Ah, oui, c'est par là, ok. Je suis où? Plaisant de machin, ouais, hop. Ouais, bon, on va pas se faire chier. Hop, TP. Oh, c'est toujours là mon petit Speedy, désolé pour la qualité moisie. Le stream avait commencé en bonne qualité et a décidé de merder au bout d'à peine 10 minutes et de descendre en qualité. Il devrait être là le journal. Non. Même pas un truc quoi. Hop.
Ah, à mon avis, c'est quand je vais avoir fait ces putains de missions. Quand Ishwari est parti, j'ai vécu des jours sombres. Oh, j'étais un jeune homme cruel et en colère. C'est surtout à cause de cette époque que j'ai cette réputation aujourd'hui. Oui, oui, j'ai assassiné des montagnes d'innocents. Oui, j'ai interdit la religion. Oui, j'ai changé la monnaie en vigueur pour que plus personne n'ait rien. Et oui, pendant quelque temps, je me suis peut-être baigné dans du sang de yak en sniffant des rails de coke. Mais c'est fini, tout ça. Regarde-moi. J'aurai bientôt remis le pays sur pied. Je suis en pleine forme, AJ. En pleine forme. Pas de piaf sur la piste. Putain, c'est quoi ça? Vieux bug de mes couilles, quoi. Le ratel en plein dans le sol. GG. Ça sert à rien. T'as oublié que t'étais américain? On frappe avant d'entrer. Où est le journal original? Je te l'ai dit, plus tu bosseras pour moi et plus je t'en dirai sur ce que t'as entre les mains. Allez. Et monte, je vais te donner un avant-goût. Considère ça comme un acompte. Très bien, je vous écoute. Le jour où j'ai recruté ton père, c'était devant une bouteille de scotch dans un bouge sorti d'Atirta. Il bossait encore pour Pagan Min à l'époque, les yeux tout humides et brillants. Quand Min a buté l'héritier du trône du Kirat, ça a chié des bulles, mon pote. Façon de parler, bien sûr. Quoi? Non, je vous entends plus du tout. Ne bille pas, ce sera dans le document que je te donnerai quand t'auras fini ce boulot. Putain, on retourne dans l'Himalaya. La nuit où ta mère a fait le Kirat, c'était chaud dehors. D'après ce qu'on m'a dit, Yuma était mêlée à ça. Si tu veux des réponses, tu dois suivre sa piste. Qu'est-ce que vous savez sur elle? C'est le commandant second de Pagan Min, elle est venue avec lui de Hong Kong, elle a de la triche. Je me demande si c'est pas la voix de Nolan qui a lui. C'est ce que c'est, Yen Yang. Joshua Nolan. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? On va s'en prendre à un des sites de Yuma et à l'homme. Descends-le, et on pourra faire à Yuma tout ce qu'on veut. Mais y'a pas un seul ennemi là qui garde l'endroit. Bizarre. Dégage le mouflon. J'ai plus mon snipe silencieux. J'ai oublié de le reprendre. Boulet. J'aurais fait une pierre deux coups.
Et merde. Crever ? Donc j'ai compris, c'est le mec que je dois choper et en plus il a l'air d'être bien. Toi mec alors où je suis, t'es tout seul. Willis, j'ai tué le lieutenant de Yuma. T'es sûr que t'as bien tué le bon? Comment je peux savoir si c'est le bon ou pas? Tu prends une f***ing cadavre et tu me l'envoies. Alors, en général, pour savoir si on voit la tête, on va faire ça comme si on était en vrai. Ouf, voilà. Ah non, mais même en plus, il a une cagoule, c'est débile. Raté, gamin, c'est pas le bon gars. Celui que tu cherches, il supervise les fouilles archéologiques de Yuma. Je te dis, il a buté tous les mecs du coin qui ont l'air d'avoir des jobs plus importants que laveur de chiottes ou nettoyeur de vaisselle. Y'a rien de plus américain que de tous les tuer et de laisser Dieu reconnaître les siens. Et appelle-moi quand ce sera fait. Bon, c'est parti mon kiki. C'est un endroit qu'on va pas revenir. Hop, on récupère tous les coffres. On laisse passer en arrière. Non mais oh. Je n'ai pas loupé d'autres. Je pense qu'on a pas de map. Alors, c'est petit.
c'est pas facile. Et merde. Oui, bah, comme on dit chez nous, allez, à la mort comme à la mort. La qualité à chier. Il voudrait pas se mettre à charger, machin. T'es du genre, ah, ça bug. Puis en fait, pouf, qualité qui redevient très bonne. Non, ça veut vraiment pas. Allez, grimpe. Oh là là, là, là. Si tu veux grimper, c'est ici. Oh, génial. Ah, j'arrive avant. Pour moi, c'est l'habitude d'arriver principale. Sur la tête, mais bon.
J'ai trouvé une clé sur un des cadavres. Je suis à court de médailles, petit. Appelle-moi quand le commandant sera mort. Voilà. J'aurais dû venir avant. Oh putain. Tu m'expliques comment t'arrives à me voir là, il y a encore le mur qui me planque. Si je t'aime.
Ils en ont après moi. Je vais devoir m'éclipser. Quoi ? Attendez, comment je fais, moi, pour sortir de là ? Bon courage, mon poussin. J'en reviendrai quand tu voudras décoller. Oh putain, ouais, que dalle dans la flotte. Comment il peut faire pour sauter là? Notre cuisard. Hop. Dommage qu'on puisse pas les choper là pour aller. Il y en a un autre.
faire une petite pause vite fait. Les gens.
Hop. Allez. C'est parti. Alors. Bien entendu, t'es trop loin pour que je te lance un couteau. Ah putain, c'est les mecs. J'arrive à m'ouvrir. Je m'en doute qu'il y en avait en roquette quelque part. Quand j'entends grenade. Il y a des coffres, il a fallu que je bute tout le monde.
peut me tirer dessus avec un putain de... Ouais, voilà, genre tu tires à travers. Franchement, c'est quoi ces branques d'Ubisoft qui sont capables de faire des textures pleines, quoi. Oh, les artifices visuels, ils savent faire que ça, en fait. Vraiment des branquignoles. Donc on les joue à des jeux comme Assassin's Creed ou autre. C'est leur jeu de merde à chez eux, parce que putain. Ubisoft, c'est une Land. Non mais lol. Y'a même pas un mètre là, tu te tues, mais n'importe quoi. Oh là là. Faut vraiment qu'ils arrêtent de code avec le cul, quoi. De balancer le couteau et tout, t'as le temps de te faire. Bien sûr. Oh là là, elle me dit pas la distance où il est, je vise la tête, ça va sur la tête, putain.
Allez hop. Ça, c'est bon. Ouais, et puis la balle dans la tête, là, tu la prends, fils de pute, c'est bon, quoi. Donne mes couilles, là. Personne. Oh sérieux, je n'y vois rien là. Utilité de ceci. C'est excellent là, parce que c'est chiant à voir ça pixeliser tout le temps. Mais non, putain. Connexion carton de baignoire.
hangar. Arrêtez de chercher, mais restez prudent. Je fumerai tous ceux qui s'opposent à Bill. On se concentre. Ouais, je l'ai eu. Bien. Je viendrai te chercher dès que j'aurai mangé mon petit déjeuner. J'ai même pas la galère pour trouver du bacon dans le coin. Terminé. Bon, moi, il y avait rien à choper d'autre. Mon poussin. Dès que je trouve quelque chose d'intéressant sur Yuma, je te recontacte. Je suis en wingsuit là. Alors, mission de tanka. Ce que je devais faire et que j'ai pas fait tout à l'heure. Oh, un désamorçage qui s'est lancé. Oh, cool. Empêcher l'armée royale de bombarder le sentier d'or. On verra après. Pour l'instant, le tanka. Après, je pense qu'on fera la prochaine de Willis. Des amorçages. Rien d'autre. La prochaine fois que tu veux te faire inciser quelque chose, passe par un professionnel. Même s'ils font un peu peur par ici. Tu sais qu'à cause de ta mère, j'ai parrainé une classe entière d'élèves pour aller étudier la médecine à Singapour. Et ils ne sont jamais revenus. Te rends-tu compte de l'ingratitude? Paul s'est occupé de leur famille, ici au Kirat, et j'ai envoyé mes contacts à Singapour pour les trouver et les récompenser de la manière la plus appropriée. Ah, on s'est bien amusé. Mais voilà, maintenant je me retrouve à m'auto-arracher mon propre furoncle. Gary! Apporte-moi la gaz et l'antiseptique! Putain de merde! Ça va, il y a que des sons.
En décochant ça, si ils sont glissés, ça va devenir autre chose. Ah, un peu grimper là. Yep. Je vais prendre le verre acier du coup. C'est une nouvelle. Bim, descend bien. Plein de verre dans le coin, on va choper ça. À la cueillette. Sérieux encore là de l'avoir fait stopper devant la balle là? Putain. Oh vas-y motherfuck. Tous les oiseaux sont trop buggés. Depuis quand un oiseau ça s'arrête sur place en l'air pour éviter une balle? Tu te fous de ma gueule. Comment on va les faire?
Non, c'est quoi, on va aller chercher un... un buzzer. Ça, au moins... C'est ça le Z93. Une espèce de barrette. On peut pas mettre d'accessoires dessus. N'empêche. Sacré flingue. Voilà. Dommage que j'ai pas 40 ans, moi. Non, j'ai pas grand chose qui traîne en dessous de 3008. Même rien du tout. Bon. Petit buzzer. Ça va simplifier la life. Salut. C'est là, nickel ça, je pense que je vais pouvoir m'y poser. Hop, on pouvait pas se poser plus haut, mais tant pis. On fera avec.
on peut pas monter plus. Alors... Bon ben désolé les gens, je vais devoir vous laisser pour aller manger. Donc je reprends dans une petite heure, à peu près une heure et demie. Et on reprendra donc dans Shangri-La car on va récupérer le Tanka, s'y téléporter. Voilà. Donc bah, bon appétit à ceux qui seraient en train de manger. Et ah, dans une petite heure, une heure et demie.